Aujourd'hui, dans ces lieux même, s'est tenue une confrontation entre les forces de la police et le groupe criminel dont le responsable est dénommé Flèche Noire. Oh, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Quel est votre avis sur la Flèche Noire? Est-ce vrai que c'est bien lui qui était aux commandes? Nous voulons juste vous demander, est-ce que le gouvernement sera-t-il capable d'arrêter cette Flèche Noire qui fait de troubles ici dans notre pays? Bon sang, mais arrêtez d'embêter mon boss, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Monsieur, allez, s'il vous plaît. Allez, arrêtez. Monsieur, s'il vous plaît. Il vous a encore échappé. Laissez-les partir. S'il vous plaît. C'est quoi votre problème? Faites gaffe, hein. Vous êtes comment? Vous n'êtes jamais fatigué? Chaque jour, vous venez ici. Vous n'avez pas de temps pour vous-même? C'est quoi ça? Non! Pas question! Plus ça! Plus ça! Ah, je ne peux pas rater ces mêmes criminels tout le temps! Non! Non! Oh, Flèche Noire! Hé, hey, mon gars! Henri, cela n'est pas du tout ta faute. Je veux dire, le chef l'a vu maintenant. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, Henri. Parce que si on ne fait pas attention, un vote d'incompétence sera proposé contre moi. Et tu sais ce que ça veut dire. Donc, je ne laisserai pas la Flèche Noire ruiner mon nom. Je ne la laisserai pas. Mais tu ferais mieux d'être à l'aise. Nous devons avoir un plan B. Tony, là où tu veux aller là, tu es en train de nous mettre tous en danger. Tu dois te calmer. Oui, tu dois te calmer. Je suis désolé, monsieur, mais je vais bien. Je sais que tu vas bien. Mais tu dois contrôler tes émotions. Et dans ce travail, il n'y a pas de la place pour les émotions. Ça ne va pas marcher, ça ne marche pas. Avec tout respect, monsieur, je ne peux pas. Je n'arrive pas à maîtriser mes émotions en ce moment. Ce gars Flèche Noire nous défie. Et plus il le fait, plus les civils sont effrayés. Devrions-nous croiser les bras et regarder ça arriver? Essaies-tu de me dire que ces hommes-là peuvent dominer les braves soldats que toi, tu diriges? Hein? Ok, calme-toi. Les Brave Squad pensaient qu'ils pouvaient nous arrêter. Ce n'est pas possible. Ils ignorent que c'est nous qui gouvernons. Nous gouvernons en effet. La ville est sous contrôle. Nous sommes les professionnels. Nous sommes les intouchables. Nous remportons tout sur notre chemin. Moi, Titi, je n'ai pas peur de vous. Vous pouvez nous envoyer votre armée. Envoyez-nous la police. Nous ferons face à eux. Ils seront écrasés. Tu vois la chose? Rien ne nous est vrai. Tu vois la chose? Tu vois la chérie, chose? Chérie, Samantha pour toi, oh, je vais voir. Hey, fais-moi voir. Tu as vraiment la matière, oh. Laisse-moi voir. Voilà, je n'ai jamais vu ça. Écoutez les gars, écoutez. Prochainement, on va finir les comptes. On n'épargnera personne. Pourquoi les as-tu épargnés? Pourquoi les as-tu pas bités? Je ne comprends pas. Tu sais, j'aime les regarder. Ces garçons sont juste comme des clones pour moi.
avec les armes du gouvernement qu'ils ont en mer parvenant comme des choses de Chegele. Moi, je vais leur faire Chegele, les choses de Chegele. Black, ce que tu as dit là, à certains égards, tu as raison. Tu comprends, mais te fâche pas, hein. Tu sais, les Écritures nous disent, il y a un verset qui dit, ne remets pas à demain ce que tu veux faire aujourd'hui. Tu comprends? Et dans notre cas, juste comme Jerry vient de dire, on ne devrait pas les épargner. Tu commences à installer le doute dans notre sainteté. Je ne te comprends pas. Baba, calme-toi, calme-toi. Hein? Comme tu le dis, hein? Le jour du combat va arriver. Et comme nous sommes ici, il n'y aura pas de défaite. C'est nous qui allons gagner. Vous savez comment on a été formés. Nous devons jouer à cette carte. Oh. Je dois les faire vite. Je vous dis. Tu dois les faire. Qu'est-ce que je t'avais dit là, ces gars? Et qui viendront nous descendre. Qu'est-ce que tu viens? Copain, bois. Messieurs, le ministre de la Défense a beaucoup de confiance en nous. Et c'est pourquoi il nous a sélectionnés, il nous a appelés Brave Squad. J'ai beaucoup de confiance en moi-même que je ferai le travail et ferai tomber la flèche noire. Ça, c'est exactement ce que je voulais. Je te fais confiance. C'est ce pourquoi nous t'avons entraîné. C'est pourquoi le pays t'a entraîné. Va le faire. Va faire le travail pour lequel nous t'avons entraîné. Bouge. Monsieur, vas-y. Ça, c'est mon garçon. Je savais que tu vas le faire et tu vas le faire. Tu le feras toujours et je n'aurai pas honte. Le boss. Reçois mes salutations. Bienvenue, frère. Pourquoi ton visage est comme ça? Ne me dis pas que tu as encore raté la flèche noire. Ouais. Ouais, je l'ai raté. Je ne sais même pas pourquoi je nourris cette haine pour cette flèche noire. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, il a ce sentiment que j'ai chaque fois que je fais face à lui. Je ressens que nous sommes liés. Je ne comprends pas. Écoute. Tony. Est-ce qu'ils ont souffert pour t'envoyer à cette école? Pour que tu aies te tué pour ce pays? Ouais. Sais-tu que si tu meurs aujourd'hui, tes boss ne viendront pas? Je veux dire, votre département de police ne viendra pas. Agent de police, mon œil. Écoute, frère, je comprends ton amour, je comprends ce que tu ressens, mais c'est mon travail. Je veux dire, un seul criminel ne peut pas être plus fort que toute la nation, que toute la force de police. Pas question. Non. Ouais, ça va, frère, j'ai compris. Ça va, ça va. Maintenant, comment tu vas? Comment vont les affaires? Tony, ici, il s'agit de ton sujet. Oublie-moi pour l'instant. Parlons de toi. Es-tu le seul agent de police dans ce pays? Es-tu? Pourquoi tu fais de ça un sujet personnel? C'est comme la flèche noire a tué l'un des membres de ta famille ou t'a blessé sur le champ de la bataille.
Ah! Gars, cesse de te laisser emporter par l'émotion. Ne te tue pas pour rien. Fais ton travail et laisse le reste pour un autre jour. Mais c'est ça, tu vois? Ne fais pas comme si tu n'as pas des êtres chers ou on ne t'aime pas ici. Chidera, elle est venue ici récemment? Non, frère, non. La dernière fois que j'ai parlé avec elle, elle m'avait dit qu'elle était à Abuja, qu'il y avait un dossier qu'elle est en train de gérer. Je crois qu'elle rentrera dès qu'elle aura fini. Bien. Ok. Va t'habiller. J'aimerais sortir avec toi. Ça fait longtemps. Ça a toujours été mon travail, mon travail, mon travail. Frère, je te parle, non? Désolé. Frère, quand est-ce que tu vas te marier, au juste? Parce que tu m'as vu contempler une sorcière, n'est-ce pas? Parce que tu m'as vu regarder cette sorcière. Donc je ne faisais que parler à moi-même, frère. Aïe! Frère, ce n'est pas juste, non? Dis-moi, quand est-ce que tu vas te marier? Quand? Il y a toujours une logique. Oh. Il y a toujours un avant deux et deux avant trois. Donc tu te maries et moi aussi je te suis. Je t'attends, s'il te plaît. Oui, je t'ai entendu. Tout d'abord, laisse-moi voir ce que ça va donner. Permettez-moi de m'asseoir ici. Bon après-midi. Puis-je vous saluer? Oui, bon après-midi. Comment ça va? Oui, ça va. Puis-je connaître ton nom? Lizzie. Lizzie? Oui. Veux-tu venir sur mon chemin? Non, 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 non. Non, Tony. Pourquoi? Pourquoi veux-tu faire cela? Mon frère, je vais te combattre. Oh, Seigneur. Oh, bébé! Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Sors d'ici! Je dis bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait, chérie? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, chérie? C'est combien ton argent? Dis-moi, c'est quoi? C'est combien ton argent? Ah, c'est quoi ça? Dis-moi. Attends, laisse-moi te payer. Chérie, s'il te plaît. Voici ton argent. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Laisse-moi, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. Arrête, arrête, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, pitié. Je te dis de partir. Tu me dis quoi? Je vais te tuer, tu vas voir. Ne
Imbécile, regarde-moi ça. Achéan, peut-être tu veux être tué. Tirez-lui dessus. Visage. Dépose l'arme. Dépose-la. Dépose. Arrêtez. Ne tirez pas. Allez. Vas-y, tire-lui dessus. Vas-y, profite. Arrêtez, ne tirez pas. Arrêtez. Je dis ne tirez pas. Pas de sentiments. Pas de sentiments. Dégage-toi d'ici. Va. Bouge. Allez, vas-y. Bougeons. Allez, bougeons. Allons-y. Black, qu'est-ce qui s'est passé, non? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'as-tu pas buté ce gars? Il était sur le point de te démasquer. Qu'est-ce qu'il y a, non? Avez-vous pris l'argent? Oui, boss, j'ai eu l'argent. Regarde, tu demandes si on a eu l'argent. Moi, je pose des questions et tu me parles de ça, hein? Ne plus jamais crier sur moi. Hey, calmez-vous. Ne plus jamais. Qui es-tu pour me parler de cette manière? Pas de Kerem. Pas de Kerem. C'est quoi le problème? C'est quoi le vrai problème? Allez, bouge. File de ce côté. Mais regarde ce gars, pourquoi il nous bloque? Je vais m'assurer de la faire arrêter. La fête chinoise, je la laisserai pas. Pas question. Je vais la faire arrêter. Je la laisserai pas. Monsieur. Moi, Tony. Non. Mais une chose est sûre. S'il y a bien quelqu'un qui peut faire tomber Flèche Noire, c'est Tony. Il est rapide et très intelligent. Oui, c'est vrai. Monsieur. Tout à fait d'accord avec ça. J'admets que c'est correct. Mais je prie pour que ça marche au final. Dis Bobo, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu veux m'ignorer? C'est moi Titio. Nous nous sommes déjà décidés dans cette famille que la Flèche Noire soit notre leader.
Vous vous comportez mal à son égard. Vous lui devez du respect. C'est lui le numéro un. Écoute, Titi, laisse-moi te dire. Oh, attends. Oh, arrête tes bêtises. Qu'est-ce qui te prend? Titi, tu sais que je suis le mieux placé pour ce genre de choses. Je n'ai pas dit que tout le monde puisse s'en inquiéter. Non. Je n'ai aucun problème avec ça. Ce n'est pas du tout mon problème. Ce gars est censé placer cette famille avant tout, mais il ne le fait pas. C'est quoi le problème? C'est pas vrai. Tu sais bien dans ton cœur ce que la flèche noire est capable de faire. Tu le sais bien. Tu sais pas que Tony est son frère? Mon gars, au moment opportun, il fera le nécessaire. Je n'ai rien du tout à te dire. Juste une chose. Titi, s'il fait du mal à qui que ce soit de cette famille, je ne lui pardonnerai jamais. Saisis bien mes paroles. On dit quoi? Ah, tu sors? Oui, je vais au port à court. Mais je serai de retour aujourd'hui. Oh, ça c'est bien. Frère, tu devras appeler. Elle a dit qu'elle t'appelait, mais tu ne décroches pas ton téléphone. Oh, j'étais sous douche quand elle a appelé. Ok. Mais j'ai essayé de la rappeler, mais elle était inaccessible ou quelque chose du genre, je ne sais plus. Peut-être dans ce cas, elle aurait déjà pris le vol. Mais elle a appelé pour informer qu'elle revenait aujourd'hui. Bien, ça va. On se verra à mon retour. Ok, pas de problème. Allez, viens me dire au revoir. Ouais. Tu le sais très bien. Tu sais que je t'aime beaucoup. Dis avec toi, frère. Petit frère d'amour. Ton parfum sent bon. Regarde-moi ça. Grand frère. Ouais, petit grand frère, frère. Pense à toi-même. Oh. Petit frère d'amour. En ce que je sache, la vanne sera composée de 5 policiers. Et les 3 autres vont se charger de l'argent. La vanne va quitter exactement à quelle heure? À 10h. Mais nous sommes censés être déjà à la porte de l'hôpital Tinti à 11h30. Nous devons intercepter le vanne avant qu'il n'arrive au niveau de l'hôpital. Jerry? Flèche noire. Pusha. Boss. Vous devez chercher un endroit parfait pour l'embuscade. Dès que le site est sécurisé, on va avancer. Il va nous couvrir de son sang. Et en lui seul, nous avons confiance. Sa parole doit être notre partage le long de cette mission. Et tout le monde dit... Amen. Allons-nous-en, vite, tirons-nous.
qu'un seul homme qui puisse faire ça. Et ça, c'est la flèche noire. Tony. Monsieur. Pendant combien de temps vas-tu continuer à laisser tes hommes? Toi et ton équipe, vous avez laissé ces vauriens, Flèche Noire, nous terroriser. Pendant combien de temps? Je suis désolé, monsieur. Tu es désolé? Oh. Tu es désolé? C'est tout ce que tu ne cesses de me dire. Je suis désolé, je vais les prendre, je vais l'attraper, je suis désolé, excusez-moi. Bêtise, n'importe quoi. Tu es désolé? Tu es désolé? Quand est-ce que tu vas l'appréhender? Bientôt, monsieur. Bientôt? Très bientôt. Bientôt? Très bientôt? Le gouvernement est sur mon coup? La présidence est sur le coup du gouvernement? Et tu veux qu'on aille dire au président que bientôt, on va arrêter Flèche Noire? Et pourtant, tu es le meilleur. Le plus confident. Dégage d'ici vite. Dégage. Désolé, monsieur. Et reviens ici. Écoute-moi, Tony. Si tu ne peux pas faire ce travail, dis-moi que tu ne peux pas le faire. Je vais chercher quelqu'un d'autre pour le faire. Je t'avais fait confiance. Je t'avais fait confiance. Tu es une déception. Peux-tu le faire? Je le ferai, monsieur. Dégage. Dégage! Oh, oh. Oh, oh. Oui, il m'a dit que tu vas à l'aéroport. Je suis censé être au port à court, mais le client a appelé pour annuler le rendez-vous. Ok. Donc, je ne sais plus. Je suis retourné pour venir te chercher. Oh, grand frère, merci. J'étais déjà arrivé. Je n'arrive même pas à me prendre un taxi. Je ne savais même pas par où commencer. Bon, disons que tu as voulu que ce soit moi qui viendrai te chercher, que tu devrais m'attendre jusqu'à mon arrivée. Ok. Laisse-moi t'aider, laisse-moi avoir tes bagages. Merci, grand frère. Honnêtement, Tony, je ne vois sérieusement pas pourquoi tu continueras à poursuivre ce Flèche Noire tout seul. Hein? Je crois que nous sommes une équipe, tu ne devrais pas travailler seul. C'est exactement ce que je n'ai pas compris. Mais j'ai un problème avec cette Flèche Noire. Elle pense toujours en avance sur moi. Ne vous inquiétez pas, monsieur. On l'aura. On les aura. On dit 99 jours pour les voleurs et un seul pour les propriétaires. On les aura, monsieur. C'est bon, messieurs. C'est bon. N'oubliez pas, c'est vous qui nous avez toujours demandé de rester focus. Je sais qu'un jour, on finira par les avoir. Ils finiront par commettre une erreur. Je suis sûr, monsieur. Maintenant, écoutez-moi, vous tous. Je veux que vous informiez le reste au sujet du nouveau développement. Il est temps que nous changions de stratégie. Il est temps que nous allions à l'offensive. Équipez-vous très bien et pénétrez la ville. Fouillez tous les coins et les recoins de cette ville. Fouillez tout endroit suspect, tout lieu suspect. Pénétrez-y et faites-les sortir. Je veux ces gens vivants. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça sera fait. C'est ça. Allez-y. Merci, monsieur.
Honnêtement, Tony, tu ferais mieux de vraiment te calmer. Allez, tu devrais vraiment pas te mettre dans cette équipe. Mais écoute, un somme ne peut pas être plus fort que toute l'équipe. Je comprends parfaitement, ça ne te plaît pas, mais essaie de te calmer. Tu dois te calmer, mec. Ça va, ça va. Ça va. Et si je te dis le contraire, tu peux me croire? Non. Donc tu veux dire? Tu veux dire que c'est comme ça que cela est censé être, que je blague, c'est ça? frère, tu n'as plus voyagé? Non. Mon client m'a dit que sa femme est malade et il doit l'emmener à Enugu. Vraiment? Ou bien l'opération a été si douce que tu n'as pas de boule de boucle serrée? De quoi parles-tu? Tony, de quoi est-ce que tu parles? La flèche noire a encore opéré, tuant des gens. Et je me demande, jusqu'à quand? Jusqu'à quand sa soif pour le sang sera étanchée? Jusqu'à quand? Je souhaite que le gouvernement m'accepte comme avocate pour que je m'occupe de cette flèche noire quand il sera arrêté. J'ai hâte qu'il soit démasqué pour voir son visage. En tout cas, Chidera, comment tu vas? J'espère que ton voyage a été serein. Ouais, c'est ça. Je serai dans ma chambre. Ok. Je me demande par où on peut commencer les enquêtes sur ce flèche noire exactement. Pour moi, il peut être n'importe qui. Si tu me demandais, je te dirais qu'on doit commencer par les gens qui l'a assassiné et ceux qui l'a volé. Je pense que vous avez raison. Commençons par ce pauvre homme qui l'a assassiné récemment. Chef Maxwell. Oui, c'est ça, c'est ça. Allons-y.
Tu ne te souviens pas? Pense à tout ce dont tu peux te souvenir quand Flèche Noire a tué tes parents. Je crois que je veux reconnaître ce visage. Tu veux dire qu'il t'avait montré son visage? Oui, il voulait que mon père découvre la personne qui l'a tué. Ne faites pas du mal à ma famille. J'aime ma famille beaucoup. Tais-toi. S'il vous plaît. Oh, oui. Oui. Je suis le seul qui parle. Vous vous écoutez et vous répondez. Oui, d'accord, monsieur. D'accord. Tous vos mouvements. Je suis sûr que vous savez ce qui vous arrivera. Oh, désolé, je ne dirai rien. Désolé. Je vous en prie. Non, pitié. Kobe. Oh non, c'est quoi encore ça? Chief, Eze et Kobe. Je t'ai une fois dit que si tu me rencontres dans le noir, tu diras ta dernière prière. Ne bouge pas ta tête, je t'ai averti. Je vais te tuer de toutes les façons. Ce serait vraiment dommage si tu meurs sans regarder le visage de l'homme qui t'a tué. Maintenant, lève ta tête. Ne lève pas ta tête. Regarde-moi. Je ne veux pas vous voir. S'il vous plaît. Regarde mon visage, tout de suite. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, oui, je l'ai fait. Oui. Nonso. Nonso. Madame, laisse-le en paix. Tu es aussi morte de toutes les façons. Donc, prie pour toi-même. Une fois fini de me couvrir, tu es morte. Je me prépare pour te tuer aussi. Continue de prier. Je vous avais averti. Vous êtes unis l'un à l'autre. Jusqu'à ce que l'amour vous sépare. Tu ferais mieux de prier pour toi-même. Parce que j'y arrive après ceci. Et on verra. Prie pour toi-même. Ok? On se voit le jour du jugement dernier. Vos heures sont arrivées. Vos heures sont arrivées. Attends, tu verras. Nabasabatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Et voilà mes gars, tout est accompli. Lorsqu'ils étaient partis, je ne les ai plus jamais revus.
Et pourquoi n'as-tu rien dit à la police quand nous enquêtions sur ce sujet? J'avais très peur, je ne veux pas tout dire. Prenez ça, j'aimerais que vous arrêtiez Flèche Noire. Ginonso, qui es-tu? Quel métier exerces-tu réellement? Ou bien suis-je juste en train de supposer les choses? Il n'est pas possible que toi, Nonso, sois la Flèche Noire. À l'époque, tu ne supportais pas de tuer un oiseau. Ou bien as-tu changé? Es-tu réellement la Flèche Noire? J'arrive tout de suite. Dis-moi, qu'est-ce que cela veut dire? Tu suspectes grand frère que c'est lui la Flèche Noire? Je n'ai pas dit ça. Ou bien tu penses que c'est lui? Épargne-moi de ça. Tony, tu es chargé de ce cas et je te suggère de bien le suivre. Ne perds pas ton temps en suspectant ton frère aîné. S'il te plaît, je n'aime pas ça. En tout cas, non. Oh, dis donc, Tidera. Faut pas blâmer Tony. Il est sous pression en ce moment. Une sérieuse pression. Et il peut même te soupçonner à l'heure où nous parlons. Laisse-le faire son travail, d'accord? T'inquiète pas, c'est un gars qui aime son travail. L'homme puissant. L'homme puissant. Oh mon Dieu, ce garçon. C'est quoi ton problème? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pas normal. Quelque chose doit être fait. C'est pas normal. On peut pas rester là. Tu vois, je l'avais dit. Je l'avais dit depuis longtemps. Je vous avais dit que il serait mieux qu'on bute ce gars. Ce gars-là ne nous sert d'aucune utilité. Vous vous abstenez. Je ne comprends pas, hein. Je ne sais plus rien dire. Obéis. Frérot, avec tout respect, hein, tel que la situation se présente, hein, c'est la première fois que tu as donné sens. Au fait, c'est ce que nous venons de dire. C'est juste ce que ce copain vient de mentionner. Tu ne dois pas avoir de sentiment dans cette affaire. Ah, tuons ce gars, non. Finissons-en avec lui. Et dès que nous l'éliminons, je te dis, ton moral va remonter. Personne ne touche ce gars. Hein? Personne ne touche ce gars. Jusqu'à ce que je dise le contraire.
Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'attendez? Attends, la flèche noire, je comprends rien. Que veux-tu dire par que personne ne touche ces gars? Les gars qui nous traquent et qui viennent nous faire un chèque, tu veux qu'on ne les touche pas parce qu'il est ton frère? Qu'est-ce que cela veut dire? Écoute, laisse-moi te dire, hein, nous sommes ton vrai sang. Ce gars que tu vois là est un intrus, laisse-moi te dire. C'est ça ma décision. Personne ne touche ce garçon. Boss, mais c'est quoi ce sentiment, non? Moi, je ne comprends plus rien, oh. Personne ne touche ce garçon. Je veux le tuer moi-même. J'aime sa bravoure. J'aime sa confidence. Je vais lui ôter la vie moi-même. Quand le moment arrive, vous allez voir comment je vais le torturer. Je vais le torturer jusqu'à le descendre. Et pour vous les gars, cessez de vous exposer n'importe où, n'importe comment, en public. Si vous dépensez n'importe comment, et si on vous attrape, ça vous regarde. Boss, s'il te plaît, attends. Tu sais, hein, tu es notre boss. Mais laisse-moi te dire. Selon les saintes paroles dans la Bible, celui dont le Seigneur aura pitié, on aura également pitié de lui. Mais pour ceux qu'il veut détruire, nous allons également les détruire. Ce que tu viens de dire là est bien compris. Manemo, salutations pour toi. Anamo. Ah oui, ça c'est pour toi. C'est la relation spéciale à toi. Tu me connais très bien, je ne gaffe jamais. Ah oui, exact. Allez, y a pas deux comme toi. Tes versets là, ensemble. Tu le sors d'où même? Je lis beaucoup. Flèche noire. Salutations spéciales pour toi, mon pote. Mon boss. Mon pote. Est-ce que je dégage l'odeur de la chambre? C'est parfait. Salutations spéciales mon à toi. Respect, boss. Il faut que je m'en aille mon maintenant. Respect. Dis-moi, as-tu pu aller visiter Charles? J'ai appris qu'il était tiré dessus lorsqu'il poursuivait un membre du gang. Oh, tu sais, il est vraiment chanceux et il a survécu. Oh, Dieu merci. Je crois qu'il doit être au commissariat. Wow, ça c'est cool. Je pense que j'ai aussi m'arranger pour aller le visiter, ok? Tu devrais. C'est important qu'on lui démontre notre soutien et sympathie. Bienvenue, frère. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis à l'intérieur. Qui est-ce? Oh, ça c'est mon grand frère, Nonso. Nonso? Ouais. Nonso? Ouais. Pourquoi tu demandes? Que fait-il? C'est un homme d'affaires. Me croirais-tu si je te disais qu'il pourrait être Flèche Noire que nous cherchions? Et quel genre d'affaires fait-il exactement? Henri, tu n'as jamais cessé de m'amuser. Écoute, laisse-moi te dire. Si tu es en train de penser que mon grand frère est la Flèche Noire, alors tu dois encore réfléchir. Parce qu'il est la personne la plus gentille que j'ai jamais vue dans ma vie. Donc ne va même pas là-bas. Jette-moi un œil à ça. Et dis-moi s'il ne se ressemble pas. Frère Chinonso. Tony. Je veux savoir le type de métier que tu exerces. Je veux dire, tu as de l'argent et de ce que je sais, ou même mieux de ce que nous savons, tu es un homme d'affaires. Et je ne sais même pas le type d'affaires que tu fais, donc s'il te plaît, puis-je savoir le type de métier que tu exerces? Tony, qu'est-ce que cela veut dire? Thank you.
tiens. Si tu veux savoir, je suis dans l'importation des appareils électroniques et l'installation des gadgets de maison. Intéressant. Puis-je avoir ton téléphone? Quoi? Quoi? Ouais, puis-je avoir ton téléphone? Tony, es-tu malade? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je veux une explication sur ça maintenant. Il n'y en a aucune pour le moment. Frère Danso, je veux avoir ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Tu pointes ton arme sur moi. Ouais, c'est ça, Tony. Je dis, je veux avoir ton téléphone. Tony! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Le téléphone. Tony, comment oses-tu? Comment oses-tu manquer du respect au grand frère Nonso? Baisse cette arme maintenant. Tony, baisse cette arme maintenant. Tony. Je dis, baisse cette arme avant que je ne fasse autre chose. Je dis, donne-moi ton téléphone. Sinon, sur le téléphone. Voici mon téléphone, l'officier Tony. Tu vas trop loin. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il quelque chose que vous me cachez? C'est à toi que je parle! Je pense que tu dois voir ça. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est le seul croquis de la flèche noire que nous avons pour le moment. Puis-je voir ça? Comment as-tu eu ça? Qui te l'a donné? Bébé, est-ce que ça va? Oh, bébé, je vais bien. Es-tu sûr? Je vais bien. Je vais bien, t'en fais pas. Mais c'est pas l'impression que tu me donnes. Ce n'est que le stress, mais ça va. Allez, viens là. Vraiment sûr que ça va? Je vais bien, mon bébé, ok? Calme-toi maintenant. Je pense que tu dois voir ça. Et qu'est-ce que c'est? C'est le seul croquis de la flèche noire que nous avons pour le moment. Puis-je voir ça? Comment as-tu eu ça? Qui te l'a donné?
flèche noire. Je sais maintenant qui tu es. Et il est grand temps que je te démasque en public. Oui. Allez, mes chers, allons-y. Grand frère Nosso. Oui. Grand frère Nosso, s'il te plaît, si vraiment tu es sûr que tu as quelque chose à nous dire, je t'en prie au nom de Dieu. Vas-y, dis-nous. Nous sommes ta famille, on peut te protéger. Tout coupable a peur. Je n'ai pas peur. Je vais vous montrer ma boutique. Allez, allons-y. Allons-y. Qui est là? Oui, monsieur. Comment ça va? Je vais bien, merci. Suivez-moi. Où est Tinedu? Il est allé acheter de la nourriture. Quoi? À 7 heures? Mais non. Comment ça? Aller acheter de la nourriture à 7 heures? C'est comme ça que vous vous comportez ici? C'est ce que vous faites ici? Je suis désolé, monsieur. Pardonnez-moi, monsieur. André, tu es censé être le boss ici. Hmm? En tout cas, voici ma famille. Ma jeune sœur, la maman de la maison. Hmm? Voici mon jeune frère, Tony. Ok, c'est votre boss. Va apporter... Bienvenue, monsieur. Va apporter quelques factures, les copies de la facture de 3 mois. Février, mars, avril. Il faut les lui donner, ok? D'accord, monsieur. Assure-toi de les apporter tout de suite. Très bien, monsieur. Allez, oh, viens t'asseoir par ici. Non, allez. Ça va. Oh, assieds-toi d'abord. Ne t'inquiète pas. Hein? Mais quand même, tu ne peux pas rester debout comme ça. Le voici, monsieur. Donne-lui ça. Viens, je vais te montrer ce côté. Oh, grand frère, c'est un grand magasin. C'est comment? Comment ça se passe? Bien. C'est la preuve des ventes qu'ils ont faites ces derniers mois. Donc, c'est bon. Grand frère, je suis fier de toi. S'il te plaît. Je suis désolé. Pardonne-moi.
Je suis très très désolé, frère, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je peux seulement te pardonner à cause du lien de sang. Sinon, en fait, tu m'as vraiment défié. Frère, je suis très désolé. Maintenant... J'espère que tu ne vas plus jamais le répéter. Ça va. Allez, viens. Merci, ça frère. Va. On peut partir. Maintenant, ça va. Allons-y. Ouais. Viens, prends ça et garde-le à sa place. D'accord. Nous sommes toujours là, ok? Ok, ne partons pas pour le moment. Vous êtes le meilleur, monsieur. Ok. Ouais. Bye. Allons-y. Nous voici. Ok? À tout moment, vous pouvez passer ici pour visiter l'endroit de votre frère. Allô? Ouais, l'hiver est arrivé au point noir. Ok, je vous verrai bientôt. D'accord, laissez-moi... Ok. Désolé, mes chers, je dois aller quelque part maintenant. On se croise à la maison, ok? Ok, grand frère. S'il te plaît, ne traîne pas. Bien sûr, je ne vais pas durer, ok? Ça va, ouais, frère. Viens ici. Tu veux aussi? Oui. Vas-y, vas-y doucement. Essaie de le semer. C'est combien ton argent? Entre dans ce vent. Tu dis c'est combien? 2000 naira, monsieur. D'accord. Vas-y, vas-y. Ne te gêne pas pour la monnaie, ok? D'accord. Thank you.
Je dois retourner au bureau maintenant, ok? Ok. Ouais. Rappelle-toi encore que tu dois t'excuser auprès de lui. Ah, je ferai ça, t'inquiète. Mm-hmm. D'accord. Ok. Ok, prends soin de toi. Ouais. Allô, Henri, tu es où? Je ne suis pas au boulot. Ouais, je suis au bureau et je veux te voir immédiatement. Ok. L'hiver est arrivé au point noir. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est quoi l'hiver? Et c'est quoi le point noir? Pourquoi n'a-t-il pas répondu à l'appel normalement? Sait-il que j'ai cloné son téléphone? Cette boutique, est-ce qu'elle existe réellement? Si c'est réel, pourquoi ne l'avait-il pas dit avant? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Tu m'as l'air très inquiet. Que se passe-t-il? Henri, arrête de soupçonner mon frère. Dis-moi, pourquoi soupçonnes-tu mon grand frère? Je t'ai vu à sa boutique. Maintenant, dis-moi. Penses-tu toujours qu'il est la flèche noire? Tu sais, tu ne peux pas en être sûr comme ça. La preuve, elle est là et l'image ressemble très fortement à ton frère. Salut Flèche, un problème? Allez Tinga, flash ce téléphone immédiatement. Flash-le immédiatement. Alors, on a quoi sur la table? Mais il n'y a rien sur la table, non? Comment cela sera-t-il possible? Ton frère a cloné ton téléphone. C'est ça le problème. Pourquoi tu joues toujours l'idiot?
Hein? Je t'ai juste demandé, qu'est-ce qu'on a sur la table? Dois-tu tourner ça contre moi? Hey Jay, recule. Ok? Que je recule, c'est tout ce que tu peux me dire, c'est ça? Hein? Passe-moi ça. Que je recule sur quoi? Tony, honnêtement, tu ne peux pas continuer de dissimuler les preuves concernant ce flèche noire. C'est parce qu'il est ton frère, n'est-ce pas? Dis-moi un peu, s'il s'agissait de quelqu'un d'autre, aurais-tu continué à poursuivre le dossier? Tu vois, Henry, tu fais une grande erreur en pensant que tu peux prouver que mon grand frère est la flèche noire en le soupçonnant. Écoute, arrête de soupçonner mon frère. C'est un ordre. Maintenant, au cas où tu as oublié ta place dans ce bureau, c'est moi qui donne les ordres. Je suis en charge de cette opération, donc tu dois faire ce que je dis. Tu dois exécuter mes ordres. Tony, tu sais, c'est vraiment très simple. Le suspect est encore en vie. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de ramener ton frère ici au poste afin que nous puissions l'identifier. Si c'est bien lui, alors nous aurons flèche noire. Si ce n'est pas lui, alors nous nous remettrons de nouveau à nos recherches. Tu ne te rends pas compte de la preuve que nous avons contre lui? Ne confonds pas la fraternité et le travail. Quitte mon bureau. Alors, en gros, c'est ça. Voici la sortie. Voici notre zone. Donc nous allons être ici. Exactement, par là. Et aussi ici. Voilà. Voici votre position. Ah, il n'y a pas tellement grand chose à dire. On fera comme d'habitude. Quelqu'un a eu une question à poser? Cool. Bien. Alors, on doit vraiment faire attention. Il est certain que la sécurité sera très stricte. Mais si vous montez la garde, s'il vous plaît, surveille tout l'endroit. Surveille tout et montez votre garde. Pas de second choix. Attendez le dernier signal. Restez en ligne. Ne jamais prendre une décision en dehors des pas. Comment ils vont s'échapper? Comment ils vont s'échapper? Oui, oui, on le fera. Ce sera fait. Alors les gars, bonne chance. Boss, ça c'est mon boss, je te salue. Et voilà notre chérie, la plus forte de toutes. Henry. Oui, monsieur. Doucement. Comment ça a été avec l'OPJ? Bien. Bien. Madame Becky,
ira à l'orphelinat demain, orphelinat Saint-Louis. Et l'information nous est parvenue qu'elle va être attaquée. Monsieur? Ça va. Alors, je veux que tu informes les autres éléments et vous vous apprêtiez. Nous devons assurer qu'elle est protégée. Oui, monsieur. Une chose de plus. Nous n'allons pas faire d'erreur cette fois-ci. Nous devons faire tomber la flèche noire. Définitivement, monsieur. Bien. Je t'attendrai. Tu es ici? Oui. Est-ce que tout va bien? Ouais, tout va bien. Je m'apprête juste pour aller au service. Ok. Grand frère Nonso. On se voit demain, ok? Ok. Grand frère Nonso. Oui. S'il te plaît, prends très bien soin de toi. Je le ferai. Frère Nonso, puis s'il te plaît te suivre pour que tu me déposes au commissariat. S'il te plaît. L'homme d'action. Le boss. Boss. Allons-y. Oh, allez. Merci. Ok, à ce soir. Tu as l'air bien habillé. Ouais. C'est comme vous avez une opération aujourd'hui. Ouais, parce que nous avons eu l'information que la flèche noire va attaquer Madame Becky aujourd'hui. Elle va à l'orphelinat Saint-Louis. Donc, wow. Nous avons eu cette information. Alors, je suis prêt pour lui ainsi que mes éléments. Oh, vraiment? Dès que j'arrive au commissariat, je dispatche mes éléments. Vraiment? Ouais. Wow. Ouais, je prie et je souhaite que vous mettiez fin à ça, une fois pour de bon, cette chasse à l'homme, partout de flèches noires, à travers le pays. Mais dis donc, prions, il faut que vous mettiez fin à cela, une fois pour de bon. Frère, je te donne ma parole, aujourd'hui la flèche noire ne va plus échapper. Je vais la faire tomber aujourd'hui, sans échec. Je vais la voir. Donc, je te souhaite le meilleur, ok? Merci, frère. Sache que je te veux vivant, rentrer à la maison, ok? Ouais. Effectivement, je reviendrai. C'est pour ça que j'ai été formé. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Ce n'est pas une question de vie ou de mort, si tu m'écoutes très bien. Ouais, frérot, je sais que tu ne veux pas que quelque chose m'arrive. Je te comprends. Ouais, ouais. Ok. À la fin de la journée, j'irai à la maison avec la douleur. C'est mon frère. Tu vois? Rien n'arrivera. Je sortirai gagnant. Merci, frérot. Je t'en prie. J'apprécie ta préoccupation.
nous sommes déjà proches. Ouais, tu me déposes ici et je continue par là. Je ne veux pas beaucoup te stresser. Okay. Laisse-moi descendre, gentleman, et t'ouvrir la porte. Laisse-moi te prouver que je suis un grand gentleman. Grand frère, tu ne cesses pas de me taquiner. Laisse le gentleman t'ouvrir la porte. Prends soin de toi. D'accord? On va bien les faire sans trace. Ne t'en fais pas, Flèche Noire. Flèche Noire, regarde là. Bite là. Bite là. Qu'est-ce qui te prend? Tire sur elle immédiatement. Penses-tu que nous sommes venus blaguer ici? Hein? Parce que c'est ton frère, n'est-ce pas? Mais t'es trop cher. Attends, je vais tirer sur n'importe où maintenant. Attends. Oh, on rentre! À l'intérieur! On est venus blaguer!
Chidera. Oh, mon Dieu, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais bien. Es-tu sûr que tu vas bien? À merveille. Il va bien. Le docteur a fini par dire qu'il va très bien. Flèche Noire n'a tiré que sur son gilet par balle. Flèche Noire? Oui. Tu as fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Au fait, je veux dire que moi et toi savons que Tony, ton frère, était un homme mort. C'était juste question de temps. Tu sais ce qui est bon dans ça? Tu l'as fait toi-même. J'ai toujours souhaité que tu le tues de tes propres mains. Le plus intéressant ici, c'est que personne ne te connaît. Tu as fait du bon boulot. La flèche noire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. La flèche noire doit être mise en justice. Il doit subir la loi lorsqu'il sera vraiment arrêté. Ouais. Il doit les subir. La flèche noire. La flèche noire. Mon frère, je suis contente pour toi. Que Dieu soit loué. Je crois qu'il est temps pour nous d'aller à la maison. Tu auras besoin de toi. Tu as vu ça? On ne nous a pas dit qu'il est mort. Oui. Non, peut-être. Peut-être qu'il est en vie, on ne sait jamais. Flèche, tu vois ce que je vais te dire, hein? J'aimerais vraiment te dire ce que je pense. Flèche Noire, nous savons très bien que tu sais bien ce que tu fais en dehors d'ici. Comment est-il possible que tu nous dises à la maison que nous aurons l'argent? Nous ferons ceci ou cela. Et tu sais très bien que ce gars porte un gilet par balle, tu l'as tiré au ventre. C'est quoi ton problème, non? Oh Jerry, ferme ta bouche. Ferme-la. Arrête avec ta folie. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu veux me faire péter le plan? Veux-tu la fermer? Jerry! Et toi, regarde-moi cette pute qui veut me faire la morale. Tu veux me faire la morale? Es-tu malade? On t'a envoyé. Écoute, si je te touche, hein, ton âme se séparera avec ton corps. Flèche, écoute-moi. Laisse-moi te dire ce que mon cœur pense. Hein. Tu vois ce gars? Moi, Jerry, je vais le buter. Je le ferai à ma manière. Je le ferai. Jerry. Tu me pointes là? Et donc nous en sommes là? Je te pardonne aujourd'hui. Si tu l'essaies une autre fois, il n'y aura plus de pardon. Jerry, Jerry, tu veux que j'en finisse avec toi? Je vais t'écraser la tête. Que la foudre s'abatte sur toi et sur toute ta génération. Calme-toi. Imbécile, fou. Tu manques de respect au numéro un, tu fous. Sorulas. Si tu oses le faire encore, je me donnerai du plaisir à te descendre. N'ose plus jamais le faire. Calme-toi et arrête ce que tu dis. Allez, laissez-moi. C'est bon. Calme-toi. Pete. Et Jésus dit à Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée, et ceux qui prendront l'arme périront par l'arme. Bon serment. Je sais que ça ne te plaît pas. Tu sais bien, tu sais très bien que je n'aime pas ça. Laisse ça quand même. Laisse cette chaîne. Ok. Tu sais très bien que je ne le fais que pour toi. Ali, fais-le pour moi. Non. Je t'en prie.
Monsieur, s'il vous plaît, ne touchez pas ma femme. Elle n'a rien à voir là-dedans. S'il vous plaît. Oh oui, je vais lui faire du mal. Tout juste comme tu m'as poussé à faire du mal à mon frère. Tony est encore en vie. Non, s'il vous plaît, épargnez ma femme. Je ne parlerai plus de votre dossier, c'est promis. Je ne toucherai même plus, je vous le promets. Il est trop tard. S'il vous plaît. Tu n'aurais pas dû montrer au monde le croquis. Maintenant, tout le monde sait qui je suis. Tony ne voulait pas y croire. Tu l'as convaincu. Il ne croyait pas que je suis la flèche noire. S'il vous plaît. Pour chaque acte posé, tu sais qu'il y a des conséquences. Je vous prie. Pour chaque acte posé, il y a des conséquences, d'accord? Chérie. Tu ressens ma douleur maintenant. Non, s'il vous plaît. Épargnez-moi, je vous prie. Maintenant. S'il vous plaît, je vais quitter la ville. Comme ça, je vais abandonner votre dossier, s'il vous plaît. Je vais quitter la ville. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu veux tirer? Oh. Pardon, monsieur. L'ambulance. En route, monsieur. Chidera, toi démon assoiffé de sang. Donc c'est toi qui... Dis-le, toi laisse-moi, dis-le. Mais Tony, toi va-t'en d'ici, dis-le. Je dis, dis-le. Dis-le que tu es la flèche noire. Dis-le. Es-tu malade? Ta tête ne va pas du tout bien? Que je ne t'éclate la tête. Dis-le. Toi, tais-toi. Dis-le. Dis-le, Tinonso. Dis-le. Dis que tu es la flèche noire avant que je ne t'éclate la tête contre le mur. Dis-le. Je suis la flèche noire. Comment pensez-vous que j'y arrive à payer vos écolages? Vous deux. Comment? Non. Vous vous rappelez de comment nos parents sont morts?
Mon mari, j'ai été parlé. Ok, mets-toi. Je viens de faire un cauchemar. Et c'était terrible. Quelque chose ne va pas bien avec toi, hein? Comment peux-tu me demander d'annuler cette réunion de business simplement parce que tu as fait un cauchemar? Je ne comprends même pas ces rêves. Arrête ces bêtises. Mon mari, je t'en prie, s'il te plaît, écoute-moi. Tu sais que mes rêves se réalisent souvent. Tes rêves s'accomplissent souvent. Pourquoi ne rêves-tu pas de devenir très riche? Hein? Riche comme ces gens-là qui ont investi dans la crypto-monnaie ou ces grands noms, Otedola, Dangote. Pourquoi fais-tu de mauvais rêves à chaque fois? L'autre fois, tu avais rêvé que Maxwell allait rejoindre ses business et tu avais dit qu'il nous conduira en faillite. Et au moment où on se parle maintenant, n'est-il pas en train de voler dans le business? Mon mari, je t'en prie, au nom de Dieu, si c'est sérieux, ce que j'ai vu était horrible. Je t'en prie, arrête! Je ne vais rien écouter. J'ai décidé, donc ça reste comme ça. Tu viendras avec moi dans ce voyage des affaires. C'est tout et n'en parle plus. D'accord, si c'est ça ton souhait. Mais tu dois t'apprêter à aller sans moi parce que je ne viendrai pas avec toi. Hein? Arrête-toi là! Arrête-toi là! Je t'ordonne de venir avec moi dans ce voyage. Si tu ne veux pas venir avec moi, alors prépare-toi à me faire face dans cette maison. As-tu entendu ça? Prépare-toi à me faire face dans cette maison. C'est quel genre de rêve? À chaque fois, que des mauvais rêves. Es-tu une prophétesse de malheur? D'accord. N'importe quoi! Maman, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu ne peux pas partager? Maman, peux-tu, s'il te plaît, me le dire? Un problème partagé est à moitié résolu. Alors parle-moi. On peut ensemble trouver une solution. Maman, Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu querelles avec ton mari comme ça? Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Maman, peux-tu s'il te plaît nous le dire? Pardon. Votre père est vraiment têtu. Il n'apprend pas par le passé. Et je ne veux pas que vous, mes enfants, vous puissiez le suivre. Je ne devrais pas prendre l'exemple sur mon père. Un homme apprend par ses erreurs. Les hommes sages apprennent par les erreurs des autres. Mais votre père, pas question. Il ne veut pas apprendre. Mais votre père est très myope. Maman, tu n'as rien dit jusqu'à présent. Que s'est-il passé? On est supposé faire un voyage d'affaires à Onitsha. Avec votre oncle Maxwell et ses partenaires. Mais j'ai fait un rêve. Et dans ces rêves, on n'était pas revenu de notre voyage. Et je lui ai dit, c'était vraiment horrible et réel. Mais il insiste que nous devons toujours faire ces voyages. Maman, laisse-moi te poser une question. Tu as prié quand tu t'es réveillée? Tu as prié contre cela? Non. Tu vois? Tu sais, la révélation est faite aux enfants de Dieu. Afin qu'ils prient contre. Oui. Parce que nul ne peut vaincre par la force. Mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu l'écraseras. Tu vas partir et revenir. Rien ne se passera, maman. Vous irez à cette mission. Et vous allez revenir. Rien ne vous arrivera, maman. Ok? La seule chose est de
prier et l'annuler. Oui, maman, ok. Nous allons prier, nous tous. En tout cas, je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas ça du tout. Comment pouvez-vous dire ça? Tissom, écoutez-moi. Parfois, vous me poussez à vous suspecter. Oui. Pourquoi voulez-vous saboter ce voyage d'affaires à cause d'un simple rêve? Un simple rêve? À cause d'un simple rêve, vous voulez saboter un voyage d'affaires? Un voyage d'affaires aussi important? Tissom. Naï. Ce que j'avais vu était vraiment réel. Tu aurais dû le voir de toi-même. Tissom, ce que tu as vu n'est qu'un reflet de ton imagination. Oui, et ça vient de toi. Je ne l'apprécie pas. Je ne l'apprécie pas, tu m'entends? D'ailleurs, mon frère, elle ne fera plus partie du voyage. Ne viens plus avec nous. Ne t'en fais pas. J'irai seul avec toi. Tissom, pourquoi aimes-tu être têtu comme ça? Pourquoi? D'accord, je viendrai. Si seulement cela va remettre la paix dans cette famille, je le ferai, pas de problème. Bien. J'irai. Bien, c'est uniquement comme ça que la paix régnera dans cette famille. C'est un peu ça. Dis-moi, à quelle heure irons-nous? C'est un voyage matinal, disons 8h ou 8h30. À partir de 8h juste, je serai ici. S'il vous plaît, débrouillez-vous pour être prêt. Okay. C'est le voyage le plus important de notre famille. Ok? Oui, c'est ça. Chisholm, au revoir. Fait un rêve et a essayé d'expliquer ça à papa. Il ne l'a pas écouté. Tu vois, c'est un voyage très important. Alors, occupe-toi de la maison, tu vois? Ouais. Je le ferai, oncle. Merci beaucoup. Okay. J'apprécie vraiment tes conseils. Merci beaucoup. Je le ferai. Je ne sais pas comment te remercier suffisamment. Le gâteau de la ville. Merci beaucoup. Bon, merci, oncle. C'est bon. Ah. Non, s'il te plaît, prends bien soin de ton petit frère. Je le ferai. À mon retour, je te donnerai l'argent pour ce projet-là. Ah, papa, merci. C'est une bonne idée. Remercie-le pour moi. Merci, papa. Oui. Rappelle-toi toujours de bien fermer la porte la nuit, ok? Prends soin de tes petits. Et surtout, celle-là. Ok, maman, je le ferai, c'est maman. C'est mon bébé. Très bien, alors. Au revoir. Bye. Bon voyage, oncle. Très bien. Je vais aller ouvrir le portail. C'est moi qui vais ouvrir le petit portail. Petit bandit. D'ici là, on sera arrivé à notre destination. Ok, je vois. Ouais. Oh oui, c'est bien. C'est quoi ça? Hey, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Est-ce que ça va? Je dois vérifier. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça ne tient pas. C'est quoi le problème? Tu avais bien vérifié? Il y a sûrement quelque chose. J'ai mis de l'eau ainsi que l'huile pour ce voyage, mais c'est quoi le problème? Que je parte pour vérifier alors?
je ne veux pas qu'une imagination maléfique vienne détruire la voiture Amen. Avant notre destination. Amen. Non. Amen. Ok. Laissez-moi vérifier. Ok. Hein. C'est quoi encore ce problème? Ces voyages, je t'avais parlé de ça. Je t'ai parlé de ça, oh. S'il te plaît, arrête cette histoire du rêve que tu avais. Je connais mes rêves, je le sais. Je t'avais dit. Oublie ton rêve là. Mes rêves se réalisent toujours. J'ai mis de l'eau et l'huile à l'intérieur. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas ici, hein? Mon Dieu, mon frère, mon Dieu, allez, s'il vous plaît, mon frère. Les années passent, mon cher. Quand vas-tu reprendre? Je ne sais pas.